Bonjour bien-aimés, bienvenue à ce week-end spécial Pâques. Je vous l'ai dit, c'est un week-end spécial où nous voulons prendre le temps de manger la parole. Dieu ne guérit pas sans sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Sa parole les fit échapper de la force. Sans la parole, il n'y a pas de libération. Donc je vous ai annoncé que j'allais vous partager des morceaux choisis, des temps d'enseignement puissants qui ne sont pas démodés, qui ne sont pas obsolètes, toujours d'actualité. Parce que c'est la vérité de la parole de Dieu. Je vais vous partager un enseignement qui m'a tellement édifié, qui jusqu'à aujourd'hui a été la base de la révélation qui m'a accompagné sur la puissance du nom de Jésus. Je sais, vous en avez entendu parler, oui, la puissance du nom de Jésus. Mais dans cet enseignement, il est donné avec un style dynamique, une profondeur extraordinaire. Et cet enseignement va répondre aux questions suivantes. Pourquoi le nom de Jésus est si puissant? Pourquoi le nom de Jésus est si puissant? C'est quoi le secret contenu dans la puissance du nom de Jésus? Vous allez découvrir que le nom de Jésus n'est pas puissant. Il n'est pas puissant à cause d'un seul élément. Vous allez comprendre qu'en réalité, pour qu'un nom soit puissant, un moyen suffisait. Il y en avait trois, mais un seul suffisait. Et Jésus a utilisé les trois moyens. Qu'est-ce qui rend son nom si exceptionnel? Qu'est-ce qui rend le nom de Jésus si incomparable? Alors, je vous propose, dans ce morceau choisi, de redécouvrir ensemble les trois secrets of the power of the name of Jesus. Bonne écoute. Et à tout à l'heure. Peace. Alors, si la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, dis avec moi le Seigneur. Si la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, ça veut dire qu'il y a une puissance extraordinaire pour sauver. Le mot sauver, c'est le grec soteria. Ça veut dire sauver, délivrer, secourir, relever, restaurer, guérir. Ça veut dire plusieurs choses. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. La mention, la condition, c'est invoquer le nom du Seigneur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de puissant dans le nom du Seigneur Jésus. Donc, dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alors, pour comprendre la puissance du nom de Jésus, il faut comprendre ce qui se cache derrière ce nom. Or, tu te rendras compte d'une chose, c'est que lorsque le nom d'une personne sur cette terre, mais c'est un principe biblique, spirituel, lorsque le nom d'une personne est grand, ça veut dire qu'à ce nom sont associés des titres de noblesse, des privilèges, des honneurs qui font en sorte que cette personne est considérée comme étant grande, digne d'être écoutée, entendue et respectée. Est-ce que quelqu'un me suit? À l'époque, il y a 2 ans et demi, quand j'ai parlé de cet enseignement, j'ai donné l'exemple de Sir Alex Ferguson. Mais en fait, il y a plusieurs personnes qui sont comme ça. C'était juste un exemple. Derrière le nom d'une personne, peuvent se cacher plusieurs titres, privilèges, honneurs qui sont associés à son nom. On dit par exemple pour Alex Ferguson, plusieurs fois champion de la Ligue anglaise, champion de la Coupe d'Europe des clubs champions, manager de l'année, meilleur entraîneur, vainqueur de la Supercoupe, chevalier de la Légion d'honneur, office de l'ordre de l'Empire britannique, commandant de l'Empire britannique. En France, on dit chevalier de la Légion d'honneur, commandeur de la Légion d'honneur, chef de l'État. C'est-à-dire le gars, il est à la fois magistrat, chef de l'État, commandeur, chef des armées. Tout ça, ça veut dire que derrière le nom, par exemple, du chef de l'État, il y a plusieurs titres de noblesse qui font en sorte que le poids du nom du chef de l'État n'a rien à voir avec le poids de ton nom. Parce que quand on dit ton nom et ton prénom, on rajoute... silence. Ah. Lui, quand on dit son nom, on dit chef des armées, chef de l'État, président de la République, chef de la magistrature, machin, tout ça. Tu dis, tout ça pour une personne? Oui. C'est-à-dire que, tu vois, donc, quand on mentionne, quand tu dis au nom du chef de l'État et que tu donnes son nom, automatiquement, les gens respectent. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai fait plusieurs cultes depuis vendredi. Donc, moi, j'ai la voix. Toi, tu n'as pas de voix, tu mâches ton chewing-gum avant de venir. On ne comprend pas ton voisin. Dis-moi Amen. Oh. Donc, pour comprendre la puissance du nom de Jésus, il faut se demander comment le nom de Jésus est-il devenu un grand nom? Et quand tu poses cette question, tu dois savoir une chose, il n'y a que 3 manières pour un nom de devenir un nom grand.
Tant qu'il n'y a pas ces trois, ton nom est un nom insignifiant dont personne ne parle. Il y a trois manières, dis avec moi trois. La première manière d'obtenir un grand nom, c'est de naître de quelqu'un de grand. La deuxième manière d'obtenir un grand nom, c'est d'accomplir, c'est de faire acte d'héroïsme ou de bravoure ou de sacrifice inégalé, comme les pompiers du 11 septembre ou comme toutes les personnes qui par exemple, vont sauver. Un homme qui sauve, qui saute à la mer pour sauver un enfant ou une personne qui est en train de se noyer, tout de suite, il fait la une des médias et on parle de lui dans les actualités et après on l'envie dans les plateaux, télé, etc. Bref, à travers un acte d'héroïsme et de bravoure, ton nom peut devenir grand. Et il y a une troisième manière d'obtenir un grand nom, il n'y en a pas d'autre. Une troisième manière d'obtenir un grand nom, c'est des performances, des accomplissements, des exploits inégalés. Exemple, Lionel Messi, l'année dernière, en 2011, il a été élu champion des champions du monde. Quand tu dis Lionel Messi, tout le monde connaît et son nom est devenu grand. Est-ce que quelqu'un me suit? En réalité, une seule manière suffit pour avoir un grand nom. Lionel Messi, tu ne le connais pas dans d'autres domaines, mais on le connaît dans le domaine du sport. Et quand tu dis son nom, les gens disent, c'est à nous, quelqu'un qui est connu. Est-ce que quelqu'un me suit? Une seule manière suffit pour avoir un grand nom. Jésus a obtenu un grand nom en suivant les trois manières. Ma prière, Seigneur, aide-nous à sortir de là avec une révérence, le plus grand respect, la plus grande admiration pour le nom de Jésus. Comment Jésus a-t-il obtenu un grand nom? Premièrement, à sa naissance. Luc chapitre 1, versets 31 à 35. La Bible dit, « Et voici, lui dit l'ange, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Dis avec moi le nom de Jésus. Il sera grand. Tu soulignes, il sera grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Comment Jésus a-t-il obtenu un grand nom? Simple. La Bible dit, le fait d'être né du Saint-Esprit suffisait. Le simple fait d'être né de quelqu'un qui est grand, fait de toi, te confère un grand nom. Dis-moi amen. Alors ici en Occident, les régimes ne durent pas longtemps, c'est 4 ans, 5 ans. Donc, quand ton nom est grand, tu es le fils du chef de l'État, ton nom est grand juste pour 3 ans. 5 ans, on n'en a pas 3. 4, 5 ans, aux États-Unis 4 ans, ici c'est 5 ans. Mais dans beaucoup de pays là-bas, là, chez nous, là où nos vieux hommes, là où nos vieux hommes sont sortis, les gars sont au pouvoir pendant 30 ans, 40 ans, il y en a même 50 ans. Donc, c'est-à-dire que dès que tu nais de ton papa, la police te respecte, les gendarmes te respectent, les contraventions n'arrivent pas à toi, les palabres n'arrivent pas à toi. Pourquoi? Parce que ton nom impose le respect, parce que tu es le fils de ton papa. Et quand papa est le chef d'État ou le premier ministre pendant 50 ans, personne ne te touche. Automatiquement, le pays te respecte. Et le pays t'obéit. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça va changer au nom de... Faites un peu d'alternance quand même, les gars. Dis-moi amen. Dis que quelqu'un entend là. Ils vont voir ça à la télé. Dis-moi amen là. Un peu d'alternance, les gars. C'est quoi? De toute manière, ça va changer. Non, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Maintenant, priez pour moi.
Amen. Ok, quel est le point? C'était une excursion politique, politicienne. Quel est le point? Le simple fait, nous dit ce texte, il a dit, il sera grand. Il sera grand, pourquoi? Parce que le Saint-Enfant qui naîtra de toi, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le simple fait d'être né de Dieu suffisait pour que Jésus soit grand. Parce que le fait d'être né de Dieu faisait de lui le Christ. Luc chapitre 2 verset 11, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Le seul fait d'être né du Saint-Esprit suffisait pour que le nom de Jésus soit grand. Quelqu'un me dit Amen. On l'appelait Jésus, mais Jésus était le Christ. Ça veut dire qu'il était né d'Esprit Saint. Il avait la même nature que Dieu. Il était descendant de Dieu, fils de Dieu. Ça suffisait pour qu'il soit grand. Dis-moi Amen. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si tu es né de nouveau, par conséquent, né d'Esprit Saint, toi aussi, tu es un Christ sur la terre. Donc, Ivan devient automatiquement grand à cause du fait que c'est Ivan Christ. C'est le résident Christ. Ivan, c'est le récipient, c'est le nom civil. À l'état civil, on l'appelait Ivan. Dans le royaume des cieux, Jésus, on l'appelait Christ. C'était Jésus, le Christ. Le résident, c'était Christ. Le récipient s'appelait Jésus. Et Marie était la mère de Jésus. Bon, ok, tu vas comprendre quand on va finir. Quand on aura fini, on aura rendu les machins, les coffrets, les vénés. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et rien qu'à cause de ça, rien qu'à partir de là, il était né de Dieu, fils de Dieu. Il s'appelait Jésus, il était le Christ, la création le respectait. Les ouragans lui obéissaient, les figuiers disaient « Oh yes !» Marc chapitre 3 verset 11, la Bible dit « Les esprits impurs quand ils le voyaient, Marc 3 verset 11, les esprits impurs quand ils le voyaient se prosternaient devant lui et s'écriaient « Dieu est le Fils de Dieu !» Luc 4 verset 41, des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Rien qu'à ce stade-là, écoute-moi, tout ce que Jésus a fait sur la terre, il a fait parce qu'il était le fils de papa. Tout comme le fait d'être fils de papa suffit dans un pays pour qu'on t'obéisse. Mais si c'est vrai, dis-moi Amen. Je te dis que chez nous, on ne donne pas des contraventions aux fils de l'État, aux chefs de l'État. C'est chez ici, là, c'est bien, ça c'est la justice vraie, là. Quand il y a infraction, code de la route, on l'arrête. Quand il dit, on va dire l'ancien chef, Jean un tel, là, on dit, oh, mais allez, monsieur, vos papiers. Chez nous, quand le gars il dit, je m'appelle un tel, on dit, monsieur, continue la route. Je me repens de vous avoir arrêté. Les démons fouillaient devant lui. Les figuiers lui obéissaient, les tempêtes lui obéissaient. Pourquoi? C'est parce que son nom était grand. Il était grand parce qu'il est sorti de Dieu. Mais pas seulement parce qu'il était Christ, mais aussi parce qu'à son baptême, il était rempli du Saint-Esprit et il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Ça a suffi pour qu'il accomplisse ce qu'il accomplit sur la terre. Le nom de Jésus était grand déjà par filiation. C'est la première manière par laquelle son nom est devenu grand. Dis-moi Amen. Il aurait pu s'arrêter là. Parce que tout ce qu'il a fait sur terre, il a fait avec ça. Il aurait pu s'arrêter là. Mais il ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il y avait une deuxième manière par laquelle un nom devient grand. Et la deuxième manière par laquelle Jésus a obtenu un grand nom, c'est que
Dieu le lui a attribué, non pas parce qu'il était fils, mais pour acte d'héroïsme, de bravoure inégalée. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. Pour acte, alors, aujourd'hui encore on le voit, pour acte d'héroïsme, certaines personnes, pour cause de bravoure, d'héroïsme inégalé ou exceptionnel, sont décorées. Certains sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur, officiers de la Légion d'honneur, commandeurs de la Légion d'honneur. Ce sont des titres honorifiques, ce sont des titres de distinction qui font suite à des exploits, à des actes de bravoure ou d'héroïsme. On le retrouve dans l'Ancien Testament, dans le cas de Mardoché à Suse, qui a délivré le roi d'un coup d'État. Et à cause de cela, Mardoché a été élevé. Et le nom de Mardoché est devenu grand. Pourquoi ? À cause d'un acte d'héroïsme. Il a sauvé la vie du roi. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que vous me suivez ? De la même manière, non, écoutez, vraiment, pour moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est une révision. Mais chaque fois que je me souviens de ça, je veux nous ramener à une compréhension du nom de Jésus qui nous inspire le respect, qui nous inspire la révérence, l'admiration, la contemplation. Parce que si tu ne vois Jésus que comme étant le Fils de Dieu, qui est né de Dieu, qui est sorti de Dieu, tu vas le respecter, mais tu ne vas pas forcément l'admirer. Mais il y avait un nom, un attribut, un qualificatif dans le ciel qu'on appelait le nom au-dessus de tout nom. Il y avait un qualificatif qu'on appelait le nom au-dessus de tout nom, qui ne pouvait pas être attribué à n'importe qui. On ne pouvait attribuer ce nom qu'à la personne qui résolverait l'équation de chaos qu'Adam et Ève ont posée à Dieu sur la terre. On ne pouvait l'attribuer qu'à la personne qui accepterait d'accomplir la mission la plus périlleuse de l'histoire de l'humanité, à savoir réconcilier les cieux et la terre et réconcilier l'humanité avec Dieu. Il y avait un nom qui était réservé. Et ce n'est pas parce que Jésus est né, fils de Dieu, qu'il est né du Saint-Esprit, qu'il a obtenu ce nom. Non, Jésus, ton nom est grand. Ton nom est grand parce que tu es le fils de Dieu. On ne te touche pas parce que tu es le fils de Dieu. On ne te touche pas. Parce que tu es Christ, on ne te touche pas. Mais ce nom, au-dessus de tous les noms, n'a pas été attribué à Jésus à cause de ça. Il était attribué à Jésus pour acte d'héroïsme et de bravoure. Lis avec moi Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Version du semeur. La Bible dit, « Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Rappelle-toi que tout ce qu'il a fait sur la terre, il ne l'a pas fait comme Dieu, mais il l'a fait comme fils de l'homme, c'est-à-dire comme être humain. Dis-moi Amen. La Bible dit, au verset 8, « Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. » Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin ou encore pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux. Bon, là, maintenant, je prends 8 secondes. Afin qu'à la mention du nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dis-moi Amen. Amen. Voyez-vous, Jésus, ici, il explique que Jésus a obtenu le nom qui est au-dessus de tout nom. Pas parce qu'il était fils de Dieu, mais parce qu'il a accompli un acte de bravoure et il a réalisé un sacrifice jamais égalé. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Comment a-t-il eu ce nom? Philippiens chapitre 2 nous dit que lui, il était de condition divine. Il n'a pas négocié,
Il n'a pas dit, non, je suis Dieu. Non, la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition du serviteur. Il s'est rendu semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Ce que, des fois, nous ne réalisons pas, c'est qu'avant de venir, il existait. Jean chapitre 1, verset 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dis-moi Amen. Au commencement, on l'appelait la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'était la deuxième personne de la Trinité. Il était Dieu. Il a créé toutes choses. Et la Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il a accepté de se dépouiller, de se déshabiller, d'enlever toute sa gloire et de prendre une condition de simple serviteur. Il a renoncé à tous ses attributs divins. Voilà pourquoi sur la terre, il était limité. Il a renoncé à ses attributs. Il ne pouvait plus être omnipotent. Pardon, d'abord, il ne pouvait plus être omniscient, c'est-à-dire connaître tout en temps réel en même temps. Il dépendait désormais du Saint-Esprit. Lorsque Lazare est mort, c'est parce que le Saint-Esprit lui a donné la connaissance révélée de ce que Lazare venait de mourir. Mais si le Saint-Esprit ne lui disait pas, il ne pouvait pas savoir, parce que la Bible dit ici qu'il est devenu comme un simple homme. Il a renoncé à tous ses attributs divins. Il n'était plus omniscient. Il ne connaissait plus tout en temps réel. Il fallait que le Saint-Esprit lui révèle les choses. Il a renoncé à devenir omniprésent. Il ne pouvait plus au même moment être présent partout. Il était limité en un seul point, P. Et il a connu les limitations de l'être humain. Il s'est retrouvé à avoir faim. Au puits de Jacob. Dieu a-t-il faim? Jamais. Pourquoi? Parce qu'il a renoncé à ses attributs divins. Il ne pouvait plus être présent. Voilà pourquoi il a mis plus de 3 jours pour marcher de là où il était, pour aller rejoindre la tombe de Lazare. S'il avait gardé ses attributs divins, mon gars, il aurait fait comme il a fait après la résurrection. La Bible dit, pendant que les portes sont fermées, Jésus apparaît, soudainement, tout un coup, brusquement, sans avertir. Il dit que la paix soit avec vous. Il leur parle, et puis soudainement, pouf, il disparaît. Il se déplace à la vitesse de la pensée. Je pense comme je suis. Il pense à être un endroit, pouf, il y arrive. Mais là, il a marché 3 jours avec les ânes, les chameaux et tout ça. Pourquoi? Il a renoncé à être omniprésent. Et ensuite, il a renoncé à être omnipotent. Il a renoncé à ses attributs divins, mais ne le sous-estime pas, parce qu'il était la parole de Dieu. Dis-moi Amen. Le livre d'Apocalypse, au chapitre 19, versets 13 à 16, te révèle. C'était pas un petit, c'était pas l'enfant Jésus. C'était pas l'enfant Jésus, c'était pas un enfant. Si tu veux voir à quoi il ressemble et qui il est, regarde Apocalypse, chapitre 19, verset 13. Il te décrit qui il est véritablement. La Bible dit, il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin. Blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois » et sur sa cuisse « Seigneur des seigneurs ». Il était Tout-Puissant. Il s'appelait sa majesté, le Tout-Puissant, le Créateur, la parole de Dieu. Quand les anges le voyaient, ils en disaient « Yes, sir, garde à vous, faites une haie d'honneur pour sa majesté. Il est sur le trône. Respect, révérence. » Personne ne le méprisait. Personne ne... Non, jamais de la vie. Il était la parole de Dieu. Il était le roi des rois. Il était le seigneur des seigneurs. Autrement dit, il était le chef d'État de l'univers et de l'éternité. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est lui, Dieu, le Fils, c'est-à-dire la deuxième personne de la Trinité, qui un jour a accepté de quitter son trône. Et il n'a pas fait sous la contrainte. Personne ne lui a imposé. Quand tu lis la Bible, tu comprends ce qui se passe. Dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7, regarde la conversation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice.
pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le livre, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Ça c'est la conversation entre le Père et le Fils que le livre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux résume ici. Le Fils a parlé au Père, il a dit, bon, tu en as eu assez de boucs et de taureaux. Et autant marqué, j'ai dit, j'ai accepté. La Bible dit, Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, alors je viens. Pas sous la contrainte, mais par amour. Quelqu'un me dit amen. Et moi, je n'oublierai jamais cette anecdote du pasteur Karambiri qui nous expliquait l'histoire de cette femme élevée au sol, à la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau, sois. Mais ce chant-là, ils ne l'ont pas chanté seulement parce qu'il est né de Dieu. Ils l'ont chanté surtout après cette scène. Je me souviens de cette anecdote du pasteur Karambiri, où il racontait cette femme dont le mari était médecin, je crois que vous vous en souvenez, pour certains qui ont écouté, et qui est décédée, et pendant qu'elle partait, en fait, elle confirme ce dont on parlait la dernière fois. Elle est décédée, et pendant qu'elle est décédée, elle s'est vue au-dessus de son corps. Et puis elle a vu un corps sale, défiguré par la maladie. Et puis elle s'est vue au-dessus, et elle leur disait, mais je vais bien, ne pleure pas. Et lui, pendant que le chirurgien disait, mais comment vais-je annoncer cette mauvaise nouvelle à son mari? Comment vais-je faire pour annoncer ça à son mari? Elle dit, mais non, je vais très bien. Et les gens, évidemment, eux, ils n'entendaient pas, alors qu'elle était bien. Et puis elle raconte comment elle était aspirée par une lumière, et puis soudainement, elle a été immobilisée, et la voix du Seigneur lui a dit, retourne dans ton corps, ce n'est pas ton temps. Et puis quand, ce n'est pas ton temps. Et puis quand elle a regardé le corps, elle a dit, retourne où? Là, ça c'est quoi? Le Seigneur a dit, retourne dans ton corps. Elle dit, non, je repars pas, retourne dans ton corps. Non! Et le Seigneur l'a propulsé, l'a renvoyé dans son corps. Et soudainement, elle s'est remise à respirer. Et c'est elle qui a rendu ce témoignage au Burkina dans l'église du pasteur Karambiri. Le point qui m'a toujours interpellé, qui m'interpelle toujours, c'est que même les parents que nous avons aimés, ceux qui sont morts en Christ, aucun d'eux n'a envie de revenir. Même quand ils t'aimaient bien, même quand ils aimaient leurs enfants, tous ceux qui ont goûté à la gloire céleste, tous ceux qui ont goûté et qui ont vu la beauté et la splendeur et la nature du corps incorruptible n'ont plus envie de revenir dans ce corps corruptible. Personne qui est parti avec Christ, tous les gens qui ont écrit des livres ont toujours dit qu'ils sont désolés d'être revenus. Et s'ils sont revenus, ils sont revenus sous la contrainte forcée. Personne n'a envie de venir. Personne n'a envie de faire le chemin de la gloire à l'humanité. Comment toi, Jésus, tu fais pour faire le chemin de la gloire à l'humanité? Le chemin que personne n'a envie de prendre. Tout le monde a envie de prendre le chemin en le sens inverse, de l'humanité à la gloire, du corruptible à l'incorruptible. Personne n'a envie de faire ça. Mais lui, il a accepté de prendre une enveloppe humaine. Et non seulement il a accepté de devenir humain, si encore il avait accepté de devenir un être humain pour recevoir le faste, pour recevoir la louange, la célébration des hommes. Mais non, la Bible dit qu'il a accepté de paraître comme un simple homme. Mais non seulement il a accepté de paraître comme un simple homme, mais il a accepté de devenir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Imagines-tu la scène où en une seule personne, on arrive à catégoriser. Imagine-toi, tu vois une personne et tu dis, lui c'est cancer, c'est le cancer. Imagine-toi un être humain qui à lui tout seul résume le cancer. Tous les cancers, que ce soit l'intestin, le foie, le cerveau, la bouche, la gorge, tout.
Imagine-toi une personne. Déjà, quand une personne est atteinte d'un seul cancer, regarde son aspect. Et maintenant, imagine-toi tous les cancers de la planète dans un seul corps humain. Et on dit, voici le cancer personnifié. Mais là, on n'a pas dit, voici le cancer personnifié. On n'a pas dit, voici le sida personnifié, résumé dans une seule personne. On dit, voici le péché du monde, résumé en une seule personne. L'adultère, la pornographie, les maladies, diabète, sida, cancer, tout ça là, dans un seul corps humain. Et on dit, gars, ça, c'est le péché. C'était pas quand il était sur la terre que ça s'est manifesté. Ce que Jean-Baptiste a dit, ce n'était qu'une prophétie. Qu'elle a dit, voici l'agneau de Dieu qui est le péché du monde. L'agneau de Dieu a été matérialisé où? À la croix. Parce que c'est là que le péché, il a porté, ce n'était pas avant. Et il a fait pourquoi? Par amour pour toi et pour moi. Aucun ange, aucune créature angélique ne pouvait accomplir cette mission à sa place. Pourquoi? Parce que c'est Adam, un être humain, qui a donné le pouvoir à Satan. Et il fallait que ce soit un être humain. Et il fallait que ce soit un 100% être humain. Sinon, il n'y aurait pas eu justice. Il n'y aurait pas eu équité. C'est Adam, un être humain normal, qui a vendu la terre. Il fallait que ce soit un être humain, 100% humain, normal, qui récupère la terre. Voilà pourquoi, pour que ce soit équitable, il a enlevé sa tenue de Dieu. Il a paru comme un simple homme. Il n'était pas obligé de le faire. Il l'a fait par amour. Et moi, quand je réfléchis à ça, je me dis, en lisant l'histoire, il a eu plusieurs... Parce que c'est quand même terrible. Tu es le Tout-Puissant. Il te suffit d'une seule parole pour qu'une légion d'anges vienne, intervienne et te délivre. Et quand tu lis l'histoire de Jésus dans le jardin de Gethsémané, tu réalises, il savait qu'il était Dieu. Il savait qu'il lui suffisait de dire une parole suffisait pour que la scène appelée la passion de Christ cesse et que les moqueries des êtres humains cessent immédiatement. Comment peut-on être sa majesté? Même la Bible dit que même les anges désiraient plonger leur regard tellement ils ne comprenaient pas un tel mystère. Ils ne comprenaient pas comment des êtres humains, des moustiques devant qui ils ne sont, devant qui eux ne sont que poussière, comment des êtres humains peuvent dire à sa majesté, d'abord même on ne comprend même pas ce que sa majesté est allée faire dans un corps humain. Et en plus sa majesté est défigurée, et en plus ces vermisseaux, ces insolents et insensés, être humain rebelle qui ose lui parler avec mépris en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix !» J'imagine déjà les anges en train de dire, Archange Michael dire « Majesté, laisse-nous frapper tous ces hommes !» On les fait disparaître en une seule fraction de seconde. Et il dit « Non, ne boirai-je pas la coupe que mon Père m'a donnée à boire ?» Laisse-nous intervenir. Et puis pendant ce temps, tu as des êtres humains, ils sont là. Ah, il est le Fils de Dieu. Et puis il y a un insensé qui prend sa lance et qui vient le percer sur le côté. Et puis ils sont tous là en train de dire, non, 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 non. J'imagine les anges en colère, dit, laisse-nous intervenir. Et lui-même, il luttait, parce qu'il dit, Père, si c'est ta volonté, toutefois, pas ma volonté. Mais que ta volonté soit faite, parce que je suis certain. Mais il lui suffisait d'un seul mot pour arrêter tout ce spectacle, ces simagrées, avec ces rebelles d'êtres humains qui se moquent de sa majesté. Les anges ne comprenaient pas. Et lui-même, il luttait. Et il a fallu que, pendant qu'il prie, des grumeaux de sang sortent de lui et qu'un ange apparût du ciel pour le fortifier. Non, tiens bon, parce qu'il avait envie d'arrêter la scène. Il aurait envie d'arrêter la scène. Mais la tenue ferme. La Bible dit, jusqu'à la mort de la croix. Mais avant la mort, il a dû affronter ce qu'il redoutait le plus. Ce qu'il redoutait le plus, rappelle-toi, ce n'était pas les clous et les marteaux. Les clous et les marteaux, évidemment, ça faisait mal. Il disait aïe. Mais ce qu'il craignait le plus, c'était l'instant fatidique où lui,
Le Fils, qui a toujours été un avec le Père, allait devoir accepter le fait que le Père, tellement il était défiguré, tellement il était sale, tellement il était souillé, le péché du monde. Mais Dieu le Père est trop saint, trop juste. Dieu ne pouvait plus regarder. À un moment donné, Dieu le Père dit, je ne peux plus voir le spectacle, je suis obligé de me détourner. Et le Fils dit, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a soupiré, non, fais pas ça. Dieu le Père dit, je ne peux pas. Et la Bible dit, là, il a expiré. Dès qu'il a expiré. Et c'est là, à ce moment-là, à l'expiration, qu'un verdict a été publié dans le journal officiel du royaume des cieux. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, à cause de ce qu'il a fait, il n'a pas cédé, il a tenu bon jusqu'au bout. Il vient d'obtenir le nom. Donnez-lui le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et désormais, à la mention du nom de Jésus, tout genou doit fléchir et toute langue confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quelqu'un me dit Amen. Laisse-moi te dire. Tu vois, ce que je suis en train de t'expliquer, je ne l'ai pas lu dans un livre. Le Saint-Esprit m'a expliqué la scène. Je ne l'ai pas lu. Il m'a dit, dès cet instant, hier, on le respectait parce qu'il était, entre guillemets, fils à papa. Mais là, tous les anges ont dit non. Les archanges, les chérubins, les séraphins. Quand ils ont vu ce que sa majesté, tu vois, c'est une chose de respecter le roi parce qu'il est le roi. C'est une autre chose de respecter le roi parce qu'il a donné la vie pour son peuple. Il a donné sa vie pour son peuple. Les chérubins, les séraphins, les anges de tous les temps, toute la création s'est mise au garde à vous. Il dit à partir d'aujourd'hui, ah, l'agneau de Dieu, soit la gloire à à l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau, pour tous les siècles. Vous voyez, là, cette étape-là était suffisante. Parce que par cette manière de faire, le nom de Jésus était déjà grand. Il était grand déjà la première fois. Et il a additionné la deuxième manière. Pour des questions de temps, la troisième, je vais juste, asseyez-vous juste 5 minutes. Je ne vais pas développer. Ça ne suffisait, comme si ça ne suffisait pas. Ça, c'était à la crucifixion. Mais la Bible dit qu'après la résurrection, il s'est produit encore un truc supplémentaire. C'était le troisième acte. Le nom de Jésus était déjà grand. Mais après la résurrection, le nom de Jésus a encore pris du poids, de la consistance supplémentaire. Parce qu'après la résurrection, on ne va pas lire, mais c'est à la résurrection qu'il a vaincu la mort et le séjour des morts. C'est à la résurrection qu'il a vaincu le diable. C'est à la résurrection qu'il a vaincu, il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est à la résurrection qu'il a désarmé Satan. Et c'est à la résurrection qu'il a engendré une nouvelle race humaine. Et par ce qu'il a fait à la résurrection, la victoire sur le diable, il a obtenu un grand nom encore de la troisième manière pour performance jamais égalée dans l'histoire de l'humanité. À l'époque, j'ai reçu ce réma où le Saint-Esprit m'a dit, il existe des champions de France, il existe des champions de champions, il existe des champions d'Europe, des champions de champions, il existe des champions du monde, et puis il existe des champions du monde. Mais il existe un champion des champions de l'éternité, de l'univers, de tous les temps. Et c'est ce que Jésus a obtenu comme titre
lorsqu'il a vaincu la mort, lorsqu'il a vaincu le séjour des morts, lorsqu'il a vaincu le diable, lorsqu'il a vaincu l'enfer et lorsqu'il a engendré la nouvelle création. Personne en dehors de lui n'a fait ce qu'il a fait. Voilà pourquoi Paul dit, tu ne peux pas le comparer à un chef religieux, à un maître religieux. Ça n'a rien à voir. Ce qu'il a fait, jamais personne ne l'a fait. Ça n'a jamais été égalé. Voilà pourquoi il est le seul chemin, il est la vérité et il est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il n'est pas un chemin. Tu ne peux pas le comparer à Marie. Tu ne peux pas le comparer à Rita. Tu ne peux pas le mettre au même niveau que les autres. Non, non, tu ne peux le mettre au niveau de personne. Et depuis la résurrection, quand il a opéré sur la terre, tout ce qu'il a fait, les exploits que tu lis, il les a faits parce qu'il était né de Dieu, le Fils de Dieu. Mais à la résurrection, il m'a dit, le poids, la consistance, la solidité, la robustesse, la révérence, le respect, l'honneur accordé au nom de Jésus ont augmenté en poids, ont augmenté en intensité. Pourquoi ? Hier, autant de disciples, quand ils disaient au nom de Jésus, chasser les démons obéissaient déjà. Mais pour nous qui opérons aujourd'hui, pour ceux qui sont nés de nouveau après la résurrection, on dit toujours Jésus. Mais le nom qu'on mentionne n'a pas le même poids que le Jésus qui a opéré sur la terre. Parce qu'il a fait, il a réalisé l'acte de par la bravoure, le respect, la considération, la révérence de son nom ont augmenté. Et à la résurrection, le nom de Jésus a pris encore un poids supplémentaire. Il dit, voilà, et les disciples connaissaient le secret, le poids, la fiabilité, la robustesse, la consistance du nom de Jésus. Chaque fois que tu mentionnes le nom de Jésus, il faut que tu sois conscient de ce que tu t'appuies sur des titres de noblesse, sur des privilèges, sur des actes de bravoure, sur des honneurs qui lui ont été accordés à cause de tout ce qu'il a fait. Seigneur, donne-nous, comme les anges, comme la création, une autre perception, un autre regard, un autre respect. Comme les anges se sont mis au garde à vous, donne-nous, nous aussi, quand nous adorons, l'envie de nous mettre au garde à vous. Parce que certaines personnes regardent le plafond parce qu'elles n'ont pas compris dans la présence de qui nous nous trouvons. La présence de celui pour lequel un verdict a été promulgué après la résurrection. Et ce verdict a dit que tous les anges l'adorent. Alors laisse-moi t'adorer et te regarder comme les disciples t'ont vu. Non pas comme étant simple. Non, 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 non. Fais-nous deux. Respecté comme tu es digne d'être respecté. Jamais personne n'a fait pour moi et pour toi ce qu'il a fait. Il n'était pas obligé. Il a bravé la mort, il a bravé les insultes, les injures, les critiques. Il a bravé tout ce qu'il a bravé. Et comme si ça ne suffisait pas, ensuite il est parti dans le séjour des morts. Il a récupéré les clés de l'enfer. Il a récupéré les clés de la mort. Il a désarmé Satan. Oh, et il a engendré une nouvelle race dont la Bible dit qu'il est le premier-né. Le prototokos en grec, ça veut dire prototype. Le premier-né d'entre les morts. Et les autres ont commencé à suivre à la Pentecôte. Comment ne pas avoir la plus grande admiration, la plus grande révérence, le plus grand respect? Comment ne pas être ému? Comment ne pas se mettre au garde à vous? Ah, l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Se met au garde à vous. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau, soit le règne pour tous les siècles.
notre attitude. Change notre révérence. Augmente notre foi dans le nom. Augmente notre assurance dans le nom. Chaque fois que nous invoquons le nom, oh, remplis-nous de foi parce que la consistance, le poids, la solidité du nom de Jésus a pris de l'ampleur depuis la résurrection. Voilà pourquoi il dit, ceux qui croient en moi feront des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Parce que mon nom a augmenté en poids, il a augmenté en consistance, il a augmenté en robustesse, il a augmenté en solidité, il a augmenté en crédibilité. Oh, laisse-moi contempler, laisse-moi adorer, laisse-moi être ébloui, contemplatif devant l'agneau de Dieu. Y a-t-il une personne pour chanter allégeance à l'agneau de Dieu? Y a-t-il une personne pour se mettre au garde à vous, comme les anges, comme l'armée des cieux, pour reconnaître la souveraineté? L'agneau qui est sur le trône est digne pour tous les siècles des siècles. Amen, amen, amen. L'agneau. Si tu ne le connaissais pas, je te supplie de revenir à lui. Il n'est pas l'enfant Jésus. Il n'est pas un bébé dans la crèche. Il est la parole de Dieu. La parole qui était faite de chair. Qui n'a pas eu honte de prendre une apparence humaine. Il est digne de gloire, digne de respect, digne de révérence, digne d'adoration, digne de contemplation. Il est incomparable, il est insondable, il est inégalable, il est inarrêtable. Il est sa majesté. Seulement pour aujourd'hui. Le sacrifice qu'il a accompli, il a accompli une fois pour toutes. Il n'a plus besoin, il n'a plus besoin de brûler les animaux. Il n'a plus besoin d'égorger, de prendre le sang des animaux. Parce que le sang de l'agneau a été versé. C'était le plus grand acte de bravoure et d'héroïsme jamais manifesté dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'univers. Personne n'a fait ce qu'il a fait. Personne ne peut se comparer à lui. Tu ne peux comparer aucun ange, aucun être humain, aucun saint, aucun mort. Non, personne. Lui seul réconcilie les cieux et la terre. Lui seul est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui seul satisfait la justice de Dieu. Lui seul est digne d'honneur, digne de gloire, d'action de grâce, digne d'adoration, digne de contemplation. Lui seul est digne d'acclamation. Lui seul est digne. Pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Y a-t-il au moins une personne pour reconnaître et prêter allégeance à l'agneau de Dieu? Y a-t-il une personne pour acclamer le nom, acclamer le nom. Les mains derrière le compris ce qu'on a dit. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu adoreras, lorsque tu loueras, tu seras rempli de respect, tu seras au garde à vous.
ton homme intérieur se mettra au garde à vous. Et lorsque tu invoqueras le nom, tu t'appuieras, tu sauras que tu es en train de mentionner un nom qui est digne de confiance. Tu n'as pas besoin d'un autre nom. Tu n'as pas besoin d'un autre piston. Tu n'as pas besoin d'un autre accès. Tu n'as pas besoin d'un autre canal. Un seul nom te suffit. Et quand tu mentionnes ce nom, sois conscient de ce que tu t'appuies sur le nom devant lequel la création doit se prosterner et obtempérer à la mention du nom de Jésus. Amen, 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 amen. J'espère, bien aimé, que cette vidéo vous a parlé et je prie que de la même manière que la révélation du secret, de la puissance du nom de Jésus m'a accompagné depuis des années jusqu'à aujourd'hui, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, la révélation de la parole que vous venez d'entendre soit greffée, gravée à jamais sur les tables de vos cœurs et que cette conscience vous accompagne également à partir d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si vous n'avez pas accepté Jésus encore, je vous supplie d'accepter Jésus parce que vous avez compris que son nom est incomparable, inégalable, insondable, imbattable, instoppable. Je vous supplie d'accepter Jésus pour vous-même. Si vous voulez savoir comment faire pour accepter Jésus, c'est simple comme une prière. Il vous suffit de baisser la tête et de répéter une prière aussi simple que celle-ci. Priez avec moi, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Je ne te connaissais pas. Mais aujourd'hui, je te supplie, viens dans ma vie, entre en moi, change-moi, pardonne-moi, lave-moi de tous mes péchés et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si vous avez fait cette prière et que vous ne l'avez jamais faite auparavant, si vous étiez égaré, vous avez abandonné la main du Seigneur, c'est le moment de revenir au Seigneur pour ça. Je vous prie, bien-aimés, de nous faire savoir, de nous envoyer à Contact Impact Centre Chrétien, de nous envoyer un mail en disant simplement « Je suis nouveau et mettez-moi votre email et on vous contactera. » Je suis nouveau, mettez-moi votre email, éventuellement également votre numéro de téléphone. Sinon, si vous connectez le dimanche sur le culte en ligne, vous allez avoir dans le menu déroulé de YouTube, de la vidéo YouTube, vous allez avoir les différentes recommandations pour savoir comment vous identifier un Impact Centre Chrétien comme étant une nouvelle personne et en prendra soin de vous. Amen. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a béni. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, oui, afin de recevoir en permanence de nouvelles notifications. Abonnez-vous, likez, partagez et puis également demandez à d'autres personnes de s'abonner afin d'être tenu au courant de ce qui est en train de se faire depuis cette plateforme. D'ici là, que Dieu vous bénisse, bon Dieu, bénis-vous, car prêchez. On est ensemble. Plus.